Police de Charleville, sergent Astigui, bonjour. Oui, madame? Oui. Un épagneul puis un caniche. Oui. En plein sur votre balcon d'en avant. Oui. Puis vous trouvez ça offensant pour la morale? Oui. Ben non, faites pas ça, madame, ça sera trop cruel, ça. Ben oui, mais aimeriez-vous ça, vous, si dans une situation pareille, on vous en a envoyé une chaudière d'eau froide, là? Ben oui, mais téléphonez à la SPCA, c'est ça. Bonjour. Sergent Sillier, il faut que je me rende immédiatement à l'hôtel de ville. Oh, encore un meeting avec M. le maire, chef? Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, les fêtes de jumelage avec Ville-Charles, ça demande beaucoup de planification. Le maire peut plus se passer de moi. Ouais, bon ben avant que vous partiez, là, la police américaine nous a demandé d'avoir l'œil ouvert sur ces deux individus. Ouais, on les soupçonne d'avoir commis un hold-up à Plattsburgh et d'avoir traversé la frontière. Bon, vous donnerez ça au lieutenant Lafontaine. Ouais, ah, ça ici, ça vient d'Interpol. Ouais, en Europe, en ce moment, il y a une série de faux tableaux du célèbre Lautrec. Ça, Lautrec. Ah ouais, Toulouse. Ben oui, décidez-vous, c'est Toulouse ou Lautrec? Ah ben, les deux noms sont écrits avec un trait d'union. Ils devaient travailler tous les deux en équipe. OK. Ça, c'est une reproduction, là. Ça s'appelle la goulue. Sur le faux, là, l'œil droit de la madame est un peu croche. Y a-t-il autre chose? Oui. Ça, ça vient, là, de la gendarmerie royale. Bon. Ils ont constaté une recrudescence des faillites frauduleuses. Je vous confie tout ça, sergent. Écoutez, chef, là. On est débordé, le lieutenant Lafontaine, puis moi, là, on en a plein les bras. Bon. Jeterai un coup d'œil là-dessus quand j'aurai une minute. Puis inquiétez-vous pas, sergent. Il y a un officier qui va rentrer ici, là. Ça sera pas long. Ah ouais, mais ça fait des semaines que vous dites ça. Mais c'est pas moi qui décide. C'est même pas le conseil municipal, c'est Québec. Ouais. En tout cas, j'espère qu'ils vont envoyer quelqu'un de bien. Je leur ai demandé un homme solide, pas une femmelette. Il paraît qu'ils vont nous envoyer là, un spécialiste en nouvelles technologies. Son nom, c'est... Carmen le... Côté. Sergent Carmen Côté. C'est moi, votre nouvel officier. Chef Lamotte, je présume? En effet. Ça me fait plaisir de vous connaître, chef. Le plaisir est pour moi. Je vous présente le sergent Astigué. Enchanté, qui... sergent. Ah, quand le chef sera pas là, là, tu pourras m'appeler Benoît. Bon. Ben, je suis prêt à me mettre au travail. On commence par quoi? L'élaboration des objectifs à communiquer aux patrouilleurs lors de la prochaine relève ou bien... Si vous y voyez pas d'objection, on va commencer par le commencement, une visite du poste. C'est notre centrale de communication. Vous appelez ça une centrale de communication? Ben, c'est comme rien. Ça doit être un cadeau d'Alexandre Graham Bell lui-même. Ça fonctionne très bien, sergent. Ah oui? Comment? À la vapeur! Non, mais par sa part, chef, je connais au moins trois musées sur les communications qui paieraient cher pour avoir une antiquité pareille. C'est vrai? Si vous voulez bien me suivre, on va continuer la visite du poste. J'ai hâte de voir ça. Par ici! Pas besoin de vous dire que c'est notre salle d'observation. C'est ici que les plaignants viennent identifier les suspects sans être vus. De l'autre côté, il y a un miroir, ce qui fait que les détenus ne savent pas qu'ils sont observés. Mais chef, c'est pas sérieux, votre affaire? C'est pas sérieux? Où ça? Ben, dans la salle d'interrogatoire, de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de pas sérieux? Ben, au mur, un poster, un calendrier, une horloge. C'est très mauvais pour les interrogatoires. Ça dérange la concentration des suspects. Il faut faire enlever ça le plus tôt possible, chef. C'est élémentaire. On verra ça plus tard. Pour le moment, comme vous semblez pas avoir la langue dans votre poche, votre travail ici consistera à répondre au téléphone. Entendu, chef. Ah, c'est un péril ici. C'est au sujet de la plainte de vol à l'étalage au magasin d'aliments naturels. Sa vie, là, le rendez-vous des granolas. Ben, je vous écoute, constable. Ben, la suspecte a avoué. D'ailleurs, sa sacoche était pleine de sachets de gosses sèches qu'elle cherchait à cacher. Bon, ben, amenez-la au poste. C'est difficile, vu la situation de son état. Comment ça? Ben, elle va acheter. Ben ouais, mais c'est un vol, oui ou non, là? Je veux dire, elle est enceinte. Elle est même très, très, très enceinte. Amenez-la quand même au poste, compris? L'équipement est un peu dépassé, mais les constables, eux, sont éblouissants. Attends de les rencontrer en personne. Ville-Charles, jumelé à Charleville.
Vous n'êtes pas content, monsieur le maire? Bien sûr, je suis content. Pensez-y, vous allez couronner votre premier mandat à l'Hôtel de Ville par les cérémonies de jumelage de Charleville avec Ville-Charles, magnifique petite ville française au cœur de la Normandie. Mais c'est pas les Jeux olympiques? Oui, ça coûte moins cher. Je n'ai qu'un seul regret. Lequel? De ne pas pouvoir offrir au maire de Ville-Charles le cadeau que j'avais pensé lui offrir. Et à quoi aviez-vous pensé? Vous connaissez les Français comme moi. Je veux dire leur goût. Ben oui, il y en a. Mais j'avais pensé lui donner une belle... Une belle quoi? Une belle américaine. Quelque chose de bien. Beau body, comme on dit. Ah non, 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 monsieur le maire, on peut pas, pas officiellement, en tout cas, puis moi, en tant que chef de police, je peux pas permettre un si gros accro règlement. Voyons donc, chef, il n'y a pas de mal à offrir une automobile en cadeau. Parce que... Ah, vous voulez dire une voiture américaine? Mais... Savez-vous que... Eh bien, il pensait, vous avez raison. Malheureusement, de toute façon, il est trop tard. Ah non, 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 il est jamais trop tard. Avez-vous pensé à un modèle qui l'intéresserait davantage? Tu vois, ça ici, c'est comme ça. Okay. Après ça, t'as juste à peser ici. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Police de Charleville, sergent Astigui, bonjour. Ah non, non, le chef, il est avec monsieur le maire à l'hôtel de ville. C'est ça. Bonjour. Je croyais que c'est moi qui répondais au téléphone. Ah oui, c'est toi, c'est parce que j'attends un téléphone important de Julien. Julien? Du lieutenant Lafontaine. Ah, ben oui, c'est vrai. Il est où, celui-là, en ce moment? Ah, il est sur une mission spéciale. Ah, j'ai bien hâte que tu le rencontres, Julien. Hein? C'est parce que Julien, là, ça, c'est un officier de police extraordinaire. Un gars brillant, audacieux, qui se laisse pas impressionner par les conventions puis qui a pas peur de sortir des sentiers battus pour réaliser ses objectifs. Le chef Lamotte n'est pas toujours d'accord avec ses initiatives. Jusqu'au moment où Julien finit par avoir raison. Puis Julien, il a toujours raison. Ah, mais je te prie de me croire qu'il n'a pas froid aux yeux. Ah, il aime ça prendre des risques. Tiens, regarde, en ce moment, il travaille sur un réseau de vol d'automobiles. Ben, il a réussi à s'infiltrer dans une cour de scrap en se faisant engager comme mécanicien. Il est convaincu qu'il est sur la bonne piste. Ah, évidemment, ça le place parfois dans des situations embarrassantes. Mais il réussit toujours à s'en sortir. Parce qu'il est courageux comme 10, puis intelligent comme un singe. Oh, Charlie! Mon dit, tu m'as fait peur. Fais là, Fafouin. Hein? Je t'ai déjà dit de jamais t'approcher de mon pupitre. Oh, ben, j'aurais plus de peinture noire. La prochaine fois que tu auras besoin de quelque chose, attends, puis demande-le moi à moi. Fouille pas nulle part! Compris? OK, c'est compris, Charlie. Promis, Charlie, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais avec des certificats en blanc, toi? Ah, oh, mais parce que j'avais envie de me moucher puis j'avais plus de Kleenex. C'est pas bien bon, ça, hein, Charlie? Non, c'est pas bien bon. Va falloir que tu trouves quelque chose de mieux que ça. Ouais. Quelque chose de mieux que ça. Mmh. Bon, ben... OK, tiens, Charlie! Hey, Fafouin! Ah oui! Fafouin! Fafouin, laisse-moi sortir de là! Fafouin! Fafouin, laisse-moi sortir de là! Sinon, tu vas voir en faire comme moi, hein! Va falloir que tu me trouves quelque chose de mieux que ça, mon Charlie! Tu sais que tu as là, Fafouin? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi? Oui, mon Charlie. C'est le lieutenant Julien Lafontaine. Flash Barbecue, de bonnes idées recettes pour l'été avec la sauce aux trois poivres cordon bleu.
côtelettes de porc au parfum d'agrumes. Incorporée dans un plat peu profond, une boîte de sauce aux trois poivres, cordon bleu, jus d'orange, ciboulette, zeste d'orange et citron, et déposez des côtelettes de porc. Faites cuire de 12 à 15 minutes et servez. Vous vous régalerez. Recherchez les recettes Flash Barbecue Cordon Bleu partout où l'on vend les délicieux produits Cordon Bleu. Cette semaine au Beau Dimanche, le jazz est au rendez-vous avec Michel Legrand, Nicole Croisy, Joanne Blouin et Sarah Vafaille. Que ce soit en 1944 ou en 1998, quand t'as 20 ans, tu veux changer le monde. Pour changer le monde, faut que le monde veuille être changé. Qu'est-ce qui va nous arriver? Quand t'as 20 ans, tu rêves d'amour puis de liberté. Arrange-toi pour revenir vite, hein? Pas de promesse. Surtout pas de promesse. Tu rêves d'un monde où il n'y a pas de guerre, mais c'est juste un rêve. Maman, c'est pas le temps de s'attendrir. La suite du Volcan Tranquille. Enlève-moi pas mon courage, j'en ai pas de trop. Lundi, 20h. Dans une clinique comme la nôtre, ça peut facilement devenir la folie furieuse. L'autre jour, par exemple, le mal de tête m'a pris. Il fallait que je m'en débarrasse. J'aurais pu prendre aspirine ou Tylenol, mais de plus en plus de médecins recommandent Advil. Ils disent qu'Advil soulage efficacement les maux de tête. C'est vrai, ils ont raison. Même que souvent, un seul suffit. Et pour soulager la fièvre durant 8 heures, il y a maintenant Advil pour enfants. L'évêque le maire de Ville-Charles-Foulerat, le sol de notre municipalité, c'est le constable Turcotte avec sa moto qui l'escortera jusqu'à l'hôtel de ville. Parlant de Turcotte, avez-vous repensé à l'affaire Malenfant? Ah, monsieur le maire, vous n'avez pas me reparler de cette niaiserie-là. C'est une manchette qui est sortie il y a une semaine. Il n'y a personne qui en parle. Erreur, chef. La directrice du journal me téléphone constamment. Vous savez qu'elle veut une enquête impartiale. Une enquête? Mais elle est en train de virer folle, Dolores Subquatra. J'espère, monsieur le maire, que vous ne vous laisserez pas mener par le bout du nez par une journaliste qui brasse du fumier pour monter son tirage. Calmez-vous, chef. J'ai déjà pris une décision à ce sujet. J'ai convenu avec le comité exécutif de vous demander un rapport complet sur cette affaire Malenfant. Monsieur le maire, je me ferai un plaisir de faire la lumière là-dedans. Pourvu que Dolores Poitras me foute la paix. Dolores? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur le maire, c'est un scandale! Voyons, Dolores, calmez-vous! Je viens d'apprendre que vous voulez demander un rapport à cet homme sur la brutalité commise par un de ses constables. Qui vous a raconté une sornette semblable? Ouf. N'essayez pas de me tirer les vers du nez. Je suis pas née de la dernière pluie. Disons simplement que j'ai mis la main sur une copie du procès-verbal de la dernière réunion du comité exécutif. Madame Poitras, qui vous a donné la permission d'entrer ici? D'abord, chef, il est impoli d'empester vos interlocuteurs avec votre cigare comme vous le faites. Deuxièmement, vous devriez savoir que le bureau du maire est un endroit ouvert à tous les contribuables. À moins que le maire Bourque ait décidé de laisser tomber sa transparence. Pas du tout. En fait, à bien y penser, c'est une très bonne chose que vous soyez entré dans mon bureau juste à ce moment-ci. Le chef Lamotte me parlait justement de l'affaire Malenfant. D'après lui, non seulement ce n'est pas un cas de brutalité policière, mais il n'y a même pas de quoi fouetter un chat, si je puis m'exprimer ainsi. Ah, oh, vraiment, chef? Alors, je vous écoute. Sauf le respect que je vous dois, Madame Poitras, moi, c'est au maire que j'obéis. On vous écoute. Voici. La vérité, c'est que M. Malenfant était au volant de son auto, la vitre baissée. En arrivant au carrefour où Turcotte dirigeait la circulation, il s'est avancé jusqu'au milieu de la rue, puis là, il a attendu son tour pour tourner à gauche en s'arrêtant près de Turcotte. Ça fait que Turcotte le voyait pas. Puis quand il a fait signe aux automobiles d'en face qu'elles pouvaient tourner à droite, son bras s'est trouvé à entrer dans la voiture de Malenfant et comme la face de M. Malenfant était dans la trajectoire du bras de Turcotte, eh bien, il s'est trouvé y mettre un doigt dans l'œil. Mais c'était involontaire. Mais c'est insensé! M.
Monsieur le maire, vous n'allez pas vous contenter de ce genre d'explication? Tout ce que j'en retiens, c'est que nos concitoyens sont constamment exposés à la maladresse de nos policiers. Exposés? Mais vous rendez-vous compte, ce sont nos constables qui sont exposés. Si la vitre de l'automobile de Monsieur Malenfant avait été montée, c'est le constable Turcotte qui se serait cassé un doigt. Oh! Chef, oh! Vous en avez assez dit. Voulez-vous retourner au poste? Hein? Très bien, monsieur le maire. J'ai compris. Mais je finirai tôt ou tard par vous prouver que j'ai raison. Monsieur le maire, je vais vous quitter, moi aussi. Après ce que je viens d'entendre, j'ai un article particulièrement vitriolique à écrire. Dolores, partez pas si vite. Je voudrais avoir votre opinion sur la petite cérémonie d'accueil qui aura lieu en fin d'après-midi pour le maire de Ville-Charles. Mon opinion? Oui. Oh, vraiment? Ça peut vous être utile? Indispensable. Voulez-vous un petit apéritif? Non, merci, pas à cette heure-ci. Oh, excuse-moi, Aurèle, je te dérange en pleine conférence de presse. Non, je me sauve à l'instant. Oh, ben c'est pas moi qui vous fais peur, j'espère. Voyons, Virginie. Pendant que vous êtes là, j'ai pensé à un concours que votre journal pourrait organiser à l'occasion du jumelage avec Ville-Charles. Un concours? Quelque chose qui intéresserait autant nos cousins français que nos concitoyens. Le concours du plus beau bébé de Charleville et de Ville-Charles. Ah, c'est une bonne idée, mais je suis pas sûre que ce soit pour notre journal. J'ai pensé à ça parce que Aurèle et moi, on attend une livraison. Vous voulez pas dire un bébé, toujours? Oui! Oh, bravo! Vous m'aviez pas dit que vous étiez enceinte? Oh, mais je suis pas enceinte! Ah, je vois, vous adoptez un bébé. Adopter? Jamais de la vie! Non, ça va être notre bébé! Ben, je veux dire, vous comprendrez en temps et lieu. Ah, si c'est vous qui le dites, hein? Au revoir. Regarde mon chou. J'ai fini la première manche. Oh, non, je suis content de voir que notre projet t'enthousiasme toujours. Voyons donc, mon beau Aurèle. Avais-tu peur que je change d'idée? Ben, tu sais, hein, j'ai vu qu'on a décidé de passer par l'intermédiaire d'une mère porteuse. J'ai toujours eu peur qu'un beau matin, tout ça te semble moins... approprié. Ben voyons donc, mon beau Aurèle, pour moi, ce qui compte, là, c'est que ce bébé-là a été fait à partir de ta semence. Comme ça, au moins, il risque d'avoir tes yeux de velours, ton front intelligent, ton menton volontaire. Mais mon nez, tu parles pas de mon nez. Oh, ton nez, je vais le manger, ton nez. Viens t'asseoir au bureau, s'il vous plaît. Ben, c'est parfait. Tout est en ordre. Ouh. Ouais. Il va falloir prendre des cours pour faire marcher tout ça, hein? Inquiète-toi pas, mon petit Benoît. C'est tellement simple que n'importe qui peut en venir à bout. Hein? Même un officier de police du sexe mâle. Par ici pour le restant de l'équipement, ça va dans la salle d'observation, au fond. Bon. Ben, d'après le rapport préliminaire du constable Bellil, on vous appelle Justine Lalonde. C'est ça? C'est mon ancien nom. Ah. Maintenant, je m'appelle Petit Grain de Sénévé. C'est le nom que m'a donné le grand disciple de l'Espérance universelle lorsqu'il m'a accueilli dans son église il y a 2 mois. Ben écoutez, ici, là, vous êtes dans le temple du poste de Charleville. Et moi, je suis le grand disciple du respect des règlements. Alors, tout ce que je veux, c'est des informations laïques sur votre personne civile. Hein? J'aime pas qu'on me parle brusquement. J'ai l'impression que ça me donne des contractions. Oh non, c'est correct, on va y aller doucement, hein? Petit grain de... Sénévé. Sénévé. Est-ce que vous avez des frères, des sœurs? On est tous frères et sœurs. Est-ce qu'il y en a un ou une qu'on peut rejoindre? Oui. Le dieu de l'espoir cosmique. Hein? Vous pouvez appeler un avocat aussi, si vous voulez. Un avocat? Ouais. Attendez. Tenez, ça, c'est l'avocat avec qui j'ai fait affaire. Oh, Maître Mathieu de La Rochelle? Ah, ça, c'est le plus beau plaideur du barreau de la province. Personne n'est aussi beau qu'un prédicateur de l'Église de l'Espérance. Ah.
sûr, c'est sûr. Oui, maître Mathieu de La Rochelle, s'il vous plaît. Oui? Sergent Sillier. Ah, un instant. Il est où le dossier de la supposée affaire Malenfant? Ah, il est sur votre bureau, chef. Pourriez-vous lui dire de rappeler le sergent Benoît Astigui? C'est ça, chef, merci. Vous allez être fier de moi. Regardez. Que c'est ça? Un ordinateur, mémoire de 324K, écran cathodique, imprimante. Sergent Côté, le poste de Charleville a toujours bien fonctionné. On n'a jamais eu d'écran catholique. Deuxièmement, d'après ma mémoire à moi, des comptes n'a réglé beaucoup plus que 324 depuis 12 derniers mois. Puis troisièmement, au lieu de vous enfler la tête avec une imprimante, commencez donc par être obéissant. Comment trouves-tu l'humour de notre chef? T'es un peu rough, hein? Ah, fais-toi-en pas avec ça, Carmen, là. Là, il vient de rentrer dans son bureau, il va s'allumer un bon cigare, puis il va se calmer les nerfs. Qu'est-ce que tu veux? Un ordinateur puis une femme dans la même journée, là, c'est trop pour lui. Ah, mais c'est un bon yarb, dans le fond, hein? Il est de la vieille école, lui, tu sais. Mais à un moment donné, il va se rendre compte qu'il y a une perle rare entre les mains. Police de Charleville, sergent Côté à l'appareil? Oui, un instant, s'il vous plaît. Mathieu de La Rochelle. Oh, boy. Oui? Oui? Ah, maître Mathieu de La Rochelle. Après vous? Mais pour qui vous prenez-vous, vous? Une belle prise, lieutenant. Oh, lieutenant Lapointe. Oui, non, regardez, c'est parce que je vous ai appelé, là. Le sergent Stigui m'a beaucoup parlé de vous. Pourriez-vous passer? Comme ça, Benoît, t'as beaucoup parlé de moi. Hein? En bien, j'espère? Plutôt, oui. Mais je dois avouer que sa description était en dessous de la réalité. Merci, merci. Parfait. Puis, comment trouves-tu le petit nouveau? Ah, ben, pour la première fois la veille du jour de l'an, je vais avoir envie d'embrasser un collègue. Faudra peut-être me demander mon avis. Ah, aucune femme a jamais résisté à Julien Lafontaine. Ben, il y a un commencement à tout. Oh. Ouais, tu te fais parler, hein, mon Julien? Un ordinateur? Le chef Lamotte est un petit cachotier? Ah, non, 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 non. Ça, c'est une initiative personnelle de Carmen. Oh, bravo, bravo. Benoît, un gras ici, là. Le chef Lamotte va être content. Je viens de me faire couper la moustache au salon de Barbier à Pollon. Désirez-vous que je lui annonce moi-même la bonne nouvelle, constable? Constable Gingras? Sergent, est-ce que c'est bien vous qui me parlez? Oui, c'est moi, c'est le sergent. Dans ce cas-là, je suis pas tout seul à m'être fait couper quelque chose. Tu pourrais t'en acheter une sans t'en rendre compte, un auto volé. Hein, comment ça? Ben, mettons, tu cherches pas, moi, une Caprice 82 ou 83, là. Je vais lui en trouver une belle américaine au maire de Ville-Charles. Ah, Mercedes 76, non, non, non. Cadillac 81, oh, non, ça. Oh, Thunderbird 60, décapotable, en bon état, tous les accessoires. Puis là, pour se faire repérer, le vendeur d'auto-volé, il indique dans l'annonce le numéro d'une boîte téléphonique. Puis comme il peut pas se tenir là 24 heures par jour, il spécifie de l'appeler entre telle heure et telle heure, tu sais. Appelez 230-0033 entre 2h et 4h. J'appelle tout de suite. Le certificat d'immatriculation, on s'en prend un pour le transfert? Ben, ils volent des certificats en blanc à régie de l'assurance automobile. Les mesures de sécurité sont pas très, très fortes, tu sais, comme moi. Je te dis que les clients devaient être sûrs de faire toute une aubaine, hein? On prend, inévitablement, ces voitures-là sont offertes à des prix incroyablement bas, ça. À un prix incroyablement bas. Comme vous êtes le mécanicien en chef de la ville, là, vous allez jeter un coup d'œil sur cette voiture-là. Si elle est en bon état, là, amenez-la au garage de l'hôtel de ville. Oui, 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 le service des finances s'occupera du transfert puis du paiement. Mais qui se grouille, hein? Mais Charlie, là, c'est lui qui effectuait les ventes? Jamais de la vie. Dans le réseau, c'est lui qui revend. C'est un chic homme d'affaires, très propre, très crédible, bien swell. Des bons vendeurs, je te prie de me croire. Il y en a même un dans le réseau, il se fait appeler Roland le Sableux. Pourquoi ça fait Roland le Sableux? Il pourrait vendre du sable aux arbres. Je vais vous donner le nom du vendeur avec qui j'ai négocié au téléphone. Hein? C'est, attendez un petit peu. C'est Roland de la Sablonnière. Un chic type. Oh, oh, tiens, là notre petit avocat.
Bon, ben, je vais aller me changer, moi. Quand t'auras le temps, tu iras me rejoindre dans la salle d'interrogatoire. On va se taper un Mott and Jeff. Parfait. Bonjour, maître. Vous allez bien? Oui, ça va, mon ami, ça va. Mm. Enfin, disons que ça irait mieux si j'étais ailleurs qu'ici. Non, évidemment. Mm. C'est votre cliente, ça? Oui, bon. Si on peut s'exprimer ainsi. Ah. Ben alors, ma petite Justine, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vol à l'étalage? J'ai rien volé du tout. Ah, encore un excès de zèle de nos brillants agents de la paix. C'est la force cosmique qui m'a ordonné de prendre ces aliments. Ah, c'est la force cosmique? Je vais vous laisser discuter cela seul avec petit grain de Sénévé. Ah, si je vous défends de vous moquer de ma cliente, vous. Il se moque pas. C'est mon nom maintenant, maître. Bon alors, ma petite Justine. Je ne vous reconnais plus. Hein? On dirait que vous avez changé. Oui. Je fais maintenant partie de l'Église de la Grande Espérance Cosmique. Écoutez, Justine, il arrive parfois que des jeunes filles comme vous éprouvent des sensations bizarres, enfin, nouvelles vers la fin de leur grossesse. Mais dès que l'enfant sera né, tout ça... Pas l'enfant. Mon enfant. Mais voyons, Justine, vous le savez très bien, cet enfant n'est pas à vous. Vous avez signé une entente en vertu de laquelle vous n'êtes qu'une mère porteuse. Cet enfant est à moi. Et comme il est dit dans le grand livre sacré de l'espérance cosmique, la noix qui tombe par terre appartient à l'arbre qui l'a nourrie. Allez, ok, tiens un peu. Je vois, oui. Autrement dit, vous avez la noix un peu fêlée. Et maître, je vous défends de vous moquer de votre client. Voici Parler à la carte, le nouveau sans fil de Cantel AT&T. Il n'y a pas plus simple ni plus accessible. Un téléphone et une carte minute de 60 minutes renouvelables au besoin. Pas de facture, pas de contrat, pas de vérification de crédit. Parler à la carte de Cantel AT&T. Durant l'été, pas question de modérer nos transports. Mais attention! Sur l'eau. Ou dans les airs. Suivez la route des grands fils. Entre l'ambition et le pouvoir, un cow-boy tombe amoureux d'une jeune Anglaise dans le western La Dernière Promesse, vendredi 19h. Tout a commencé par une brusque accélération des nuages. On a affaire à quelque chose de rapide, d'extraordinaire. J'ai trouvé ceci. Ça se dissout, comme ça, sans eau. C'est rapide et ça soulage les allergies. Claritin Allergie lance la nouvelle technologie Accéléris, le comprimé qui se dissout rapidement sur la langue. C'est une forme intelligente de soulagement. Ton amour a changé ma vie. Pour toi, j'ai quitté mon passé. Mais le jour Le vent des années 60, samedi 18h30. C'est moi, le bicarbonate qui absorbait les odeurs. S'il n'y a pas une nouvelle boîte bientôt, il y a de la bouffe qui risque gros. Fini le partage des odeurs. Est-ce le temps de changer votre Arm & Hammer? Oh oui. Quand vos petits chouchous dégagent un tantinet, essayez le désodorisant pour tapis Arm & Hammer. Il détruit les odeurs incrustées et il laisse un parfum frais et net. Le désodorisant pour tapis Arm & Hammer à la rescousse des petits chouchous. Alors que je vous disais, cette jeune femme est devenue enceinte dans des circonstances un peu particulières et qui l'ont sans doute perturbée. Ne pourriez-vous pas oublier ce vol à l'étalage et la relâcher tout de suite? Ah ben, ça serait difficile. Il faut que la justice suive son cours. Oui, ça, je comprends, oui. Dans ce cas-là, me permettriez-vous de faire venir ici les parents de son enfant? Je n'y vois aucune objection. Merci. Et qu'est-ce que vous voulez dire par les parents?
D'habitude, la personne qui est enceinte est la maman du bébé qu'elle a dans le ventre? Oui, mais pas dans ce cas-ci. Ah bon? Ma cliente est un ventre d'emprunt. Un quoi? Un ventre d'emprunt. C'est une mère porteuse, si vous voulez, oui. Elle est devenue enceinte à la suite d'insémination artificielle. Ah, mais rassurez-vous, elle a été fécondée à partir de la semence du père adoptif. Ah, je suis rassuré, Simonin. La fin du monde est proche. Et voilà maintenant que la mère porteuse veut garder l'enfant pour elle. Ah, les parents adoptifs sont de vos concitoyens. Vous voulez dire que les parents qui ont pensé à cette folie-là sont des citoyens de notre ville, Charleville? Et comment? Ce sont le maire et la mairesse Aurel et Virginie Bourque. Dis-moi les dons, Charlie, ce que tu faisais avec ton marteau puis ton ciseau à foie quand tu travaillais à ton pépite, hein? Je réparais des outils. Hein? J'aiguisais des ciseaux. Ah, m'a-t-il que j'ai une chose? Qu'est-ce que tu faisais avec ton ciseau? Qu'est-ce que tu faisais? Calmez-vous, sergent. Voyons. Hey, arrêtez. Laissez-nous seuls, Charlie, moi, voulez-vous? Il est violent, le sergent, hein? Je sais pas, je vais être capable de le tenir comme ça à chaque fois. Voici mon Julien. Mais moi, je suis pas comme lui. Tu peux parler avec moi. Alors, relax. On va bien s'entendre, tu vas voir. Cigarette? Le bon vieux truc du Mott & Jeff, ça marche à tout coup. Bon, très bien, j'y serai. Mais Aurel, maître de La Rochelle a été formel, il faut qu'on aille au poste tout de suite. Je peux pas, j'ai une réunion du comité exécutif. Écoute, prends les devants, je te rejoins dans un quart d'heure. Oh, Aurel, notre bébé. Oui, tout va s'arranger. Vas-y, je te rejoins tantôt. Monsieur le maire, regardez ce que le constable Turcotte a laissé sous l'essuie-glace de mon auto. Un arrêt interdit de 4 à 6? Juste au moment où j'allais déplacer ma voiture. Il était 4 heures et une. Mais évidemment, ça s'appelle du zèle. Non, ça s'appelle de la persécution. Je vous préviens, je m'en vais au poste. Je vais mettre ce billet sous le nez du chef Lamotte. Il va se faire rabattre le caquet, ce constable Turcotte. C'est un sadique, vous savez. Ça se voit dans sa face. Coller un ticket, ça lui donne des jouissances. Il va entendre parler de moi. Oh. OK, Charlie, je recommence, là. Là, t'enlevais les numéros de série de ces autos volés, puis là, je sais pas ce que tu faisais avec, mais t'es caché dans ton pupitre, sous-clé, comme si c'était des lingots d'or. Pourquoi ça? Je me rappelle pas d'avoir fait ça. Ouais. Puis le 5 000 $ qu'on a trouvé tantôt sur toi quand on t'a fouillé, te rappelles-tu d'où ça vient, ça? Oh, oui. J'ai gagné aux courses. Oh, c'est vrai. C'est drôle, hein? La plupart des gars qu'on interroge ici, ils ont quasiment tout fait l'argent aux courses. Un vrai miracle. C'est quoi le nom de la fabuleuse monture qui t'a rapporté 5 000 $? Transmission automatique. Vive l'espérance cosmique. C'est la voie du bonheur pacifique. Je veux pas être indiscrète, mais pourquoi une femme comme toi accepte de porter un bébé pour le donner à des inconnus? À 19 ans, j'ai été obligée de me faire avorter. Puis en portant le bébé pour quelqu'un d'autre, t'as pensé que tu te rachèterais? Ça doit être ça. Et puis, il y a un an, j'ai vécu une belle histoire d'amour avec un homme marié. Pas question qu'il me fasse un enfant, s'il avait fallu que ça se sache. Alors, quand j'ai vu une annonce classique qui disait « mère porteuse demandée », je me suis sentie attirée par cette annonce-là. Je me suis présentée, j'étais choisie. Et vous avez signé une entente. Vous devriez la respecter. Surtout, à titre d'apôtre de l'espérance cosmique... Poste de Charleville, sergent Côté. Oui, un instant, s'il vous plaît. Oui. Oui. Hippodrome. Allô, Hippodrome de Charleville? Lieutenant Lafontaine. J'aimerais savoir un petit renseignement sur les chevaux qui ont couru hier.
Non, non, je vais attendre. Oui, elle vous fait courir hier un cheval du nom de Transmission Automatique. Non, non, je vais attendre. C'est ça. Allô? Non, 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 merci, laissez faire. Hey, c'est où ce que je viens de réaliser? Venez voir ça. Imaginez-vous donc avec son marteau puis son ciseau à froid, mon ami Charlie transformait les numéros de série des autos volées. Comme ceci. Et tout ça pour échapper aux recherches. Si mes déductions sont exactes, il transformait les ronds des 3 et des 6 pour en faire des 8. Puis en ajoutant une barre, sa partie supérieure des 1, il en faisait des 7. Puis avec deux barres, il en faisait des 4. Alors, tu vas demander à l'ordinateur de permuter tous les 6 et les 3 pour en faire des 8 et les 7 et les 4 pour en faire des 1. Et avec les numéros de série que ça va donner, tu vas me sortir la liste de toutes les autos volées. Brillant. Simple petite déduction logique. Non, mais bravo quand même. Attends, t'as rien vu. Encore une petite question à te poser, ça te dérange pas toujours, hein? J'exige de voir votre chef immédiatement! Oui, madame? Au lieu de s'en prendre aux bandits, les policiers de Charleville harcèlent sans arrêt les honnêtes citoyens! Tiens, quelqu'un qui a l'air très content de vos services, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? On me persécute parce que j'ai dévoilé à la population un cas abject de brutalité policière! L'affaire Malenfant, hein? Écoutez, madame, je... On ne muselle pas la directrice du Clairon! Je veux voir le chef immédiatement! Bonjour, ma petite Dolores. Mathieu, c'est pas le moment. La directrice du quotidien Le Clairon, hein? Ça, c'est une femme qui a du guts. Vous, mais c'est une manie. D'après vous, chef, c'est quoi ça? Un moment, s'il vous plaît. C'est 30 piastres. Oh! Du courage, Virginie. Est-ce que vous voulez dire que c'est elle, maître? Oui. Ma petite Justine, comme vous semblez toujours avoir l'intention de ne pas respecter votre engagement, je vais suivre votre exemple. Vous voulez porter un enfant, maître? Mais non, j'ai dû briser mon engagement concernant l'incognito des parents adoptifs. Vous allez me dire le nom de la mère adoptive? Mieux que ça. Je vais vous la présenter. C'est moi. Pauvre enfant! Vous pouvez pas m'enlever mon bébé! Il est déjà consacré à l'église! L'église? Ouais. L'église de l'espérance comique. Je veux dire cosmique. Écoutez, madame Poitras, si 30 piastres, c'est trop fort pour vos moyens... Oh! Chef! Vous allez en entendre parler! Mais voyons, madame... Quand la situation l'exige, je n'ai pas peur de pousser mes hauts cris! Charlie, qu'est-ce qui arrive? Oh, mais c'est horrible! Qui vous a fait ça? Eux autres. Oh. Thank you.
le mal de dos se met à affecter votre style, les analgésiques ordinaires souvent ne suffisent pas. Les médecins et les pharmaciens recommandent Robaxacet, avec sa combinaison de deux ingrédients actifs. L'un soulage la douleur, tandis que l'autre relâche les muscles tendus de votre dos. Maintenant offert en dosage extra fort, Robaxacet aide à vous remettre sur pied. Cette semaine au Beau Dimanche, le jazz est au rendez-vous avec Michel Legrand, Nicole Croisy, Joanne Blouin et Sarah Vafal. Ben, coudonc, la nouvelle saveur est arrivée. Préparez-vous pour l'arrivée du film Armageddon avec le nouveau McFlurry Cosmic de McDonald's, rempli de délicieux bonbons Nerds de Wonka. Le McFlurry Cosmic, maintenant offert sur Terre. Y es-tu beau? Le gâteau? Mais non, lui! Hey, c'est tellement un beau parti. Est-ce que c'est vraiment lui qui se marie cet été? Ben, il paraît que c'est elle qui a demandé sa main. Je me marie cet été. Hey, Francis Reddy, face à Radio-Canada. T'es pas sérieux? Oui! Je me marie cet été. Oublie pas, là, lundi, 19h30. Oui, je le veux. Vive les mariés! Mais on n'y a pas touché, chef, hein? Et ça? Aïe, aïe! Oh, mais rendez-vous à l'évidence, chef! Ça fait des mois et des mois que je vous lance des signaux d'alarme. Vos policiers sont des brutes. Ah, oh. Vous n'avez pas voulu m'écouter, maintenant vous avez un mourant sur les bras. Non, c'est pas possible. Il doit y avoir une explication. Oh oui, il y a une explication. Hein? Tiens, je vous le disais, il y a une explication. Oh, Aurel, mon chéri, quel drame! La mère porteuse n'a pas encore changé d'idée. Non. Mais avec la patience et puis des bons arguments, je suis sûre qu'on va pouvoir y arriver. Sers-toi de tout, Aurel, même de ton charme. Ma petite... Petit grain de sénévé, je vous présente le père de l'enfant. Aurel! Justine! Mais vous vous connaissez? Bah, c'est-à-dire que... un peu. Oh, non! Aurel! Mon cher Aurel! C'était ta semence! Donc, grâce à cette caméra et à ce magnétoscope qui ont été installés aujourd'hui même, Madame Poitras, vous allez pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans la salle d'interrogatoire depuis que vous êtes arrivée au poste. Regardez, chef. De la brutalité policière, hein? Hey, maudite bonne idée, ça. Oh, ils vont envoyer l'air calme. Il s'est blessé lui-même. Hey, dire que tu t'es fait souffrir juste pour le plaisir de nous mettre dans le trouble, hein? Heureusement que personne n'a été assez naïf pour entrer dans son jeu. Chef, je vous dois des excuses. Et je dois des félicitations à cette jeune femme
qui, parmi tout le personnel du poste, a eu l'idée d'enregistrer ces images. Merci, madame. J'ai jamais été si humiliée de ma vie. Joignez les rangs de l'Église de l'Espérance universelle. Oh, ne touchez-moi pas, vous! Non, ne frappez pas la mère de votre enfant. Mais puisque je te dis que c'est un hasard, un pur hasard, cette jeune fille m'a fait la cour, elle m'a écrit des lettres passionnées, et voulait avoir un enfant de moi, c'est pas ma faute. Et tu t'imagines quand même pas que je suis assez dingue pour te croire? Ah, monsieur le maire, je suis content de vous voir ici. Je vous ai trouvé une Américaine. Parce qu'en plus, le chef te trouve des maîtresses maintenant? Non, je veux dire, un cadeau pour le maire de Ville-Charles. Je lui ai déniché une Thunderbird de 60, une bagnole fantastique, décapotable avec tous les accessoires. Je me charge moi-même de la remise. Vous commencerez la cérémonie sans moi et j'arriverai au bon moment. Ma chérie, je dois me rendre à l'hôtel de ville justement pour les cérémonies d'accueil. Il faut que je te quitte. Non, me quitter? Oh non, c'est moi qui vais te quitter. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux le divorce. Allons donc, Virginie. Je n'ai quand même pas divorcé, tout simplement parce que cette jeune femme est enceinte de votre mari. Ça m'apparaît un motif bien suffisant. Mais c'est exactement ce que vous vouliez. Mais oui, mais je voulais que cette grossesse-là soit provoquée par insémination artificielle, pas par la méthode traditionnelle. Oh! Ce qu'on voudrait savoir, Charlie, c'est pourquoi tu prenais la peine de scier les plaques en deux là, avec autant de minutie? Ah ouais, vas-y, on t'écoute. Si je parle, vous allez me donner de la protection. Hein? Pas envie de me faire descendre, moi. Hein? Inquiète-toi pas. On te lâchera pas d'une semelle. Même que on va t'empêcher de te descendre toi-même. Ah, ça y est. J'ai compris. Franchement, Charlie, tu m'épates. Hey, n'en dis pas trop de fleurs, il pourrait s'assommer avec le pot. Bon, allons donc, Virginie. Je connais Aurel depuis 15 ans. C'est pas un mauvais diable. Faut pas lui en vouloir s'il a succombé au charme de cette jeune femme. Je dis bien si. Je serai jamais capable. Oh. Tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui ai harcelé votre mari. C'était plus fort que moi. Je l'aimais. Il faut que vous lui pardonniez. Parfait. Si vous acceptez de pardonner à Aurel, alors je respecterai mon engagement. Je vous remettrai le bébé. À l'occasion du jumelage de nos deux villes, Charleville et Ville-Charles, il me fait plaisir de vous présenter ce tableau, monsieur le maire. Monsieur le maire de Ville-Charles, Madame la mairesse, distingués invités, c'est avec reconnaissance que j'accepte ce cadeau et c'est ça. Allez-y, monsieur le maire, faites votre discours. Je peux pas. Mais comment ça, vous pouvez pas? Je l'ai pas. C'est ma femme qui l'a avec elle. Elle voulait y apporter des corrections de dernière minute. Mais écoutez, on peut pas attendre éternellement. Improviser, voyons. Je n'improvise jamais. C'est un des principes sacrés de mon administration. En 1982, celui qui a mis le réseau sur pied, c'est moi. Avec Pete Langevin, Bob Lalancette puis Tony Grosdo. Une minute. Né lieutenant, votre intuition au sujet des permutations de chiffres de numéros de série, là, c'était une drôle de bonne intuition. Dis-moi pas, Carmen, que t'avais des doutes. On peut plus attendre, monsieur le maire. Faut que vous fassiez votre discours. Vous pensez que je vais être capable? Je peux vous donner des idées, si vous voulez. Oh, elle est venue. Oh. Mais le bébé! Mais là, vous avez votre discours, allons-y! Monsieur le maire de Ville-Charles, madame la mairesse, distingués invités, grand escogriffe, je te pardonne tout. Nous aurons notre enfant. «
Ah, ton ordinateur a bien travaillé, Carmen. On a maintenant la preuve que les autos que Charlie transformait étaient des autos volées dont il changeait le numéro de série. Viens-t'en, mon Charlie. Ouais. Pontiac 81, ouais. Thunderbird 60, hein? Lada 60. Thunderbird 60? Tu es en train de penser à ce que je pense? Qu'est-ce qu'il y a? Charlie, viens ici. Il y a une Thunderbird 60 qui a été achetée par le chef Lamotte aujourd'hui même. Ça se pourrait bien que ce soit celle-là. On en avait volé une à un collectionneur de Montréal parce qu'il y avait un Américain qui en voulait une à tout prix. Mais on n'a plus jamais rien entendu parler de l'Américain. Ça fait que on a décidé, il y a 3 jours, de l'écouler par une annonce classée. Tu te souviens-tu du numéro des plaques, par hasard? Ben oui, facile à retenir. Je l'ai composé le jour de mes 42 ans. A42A. A42A. Il y a de ces choses qui vous suivent partout, où que vous alliez pour vous dépasser. Quoi que vous fassiez pour vous évader, quel que soit le moment de la journée, découvrez Natrel Moustache, lait au chocolat, café au lait et lait 2%. La petite bouteille de lait qui vous suit partout. Les meilleures images, les meilleurs commentaires, la meilleure ambiance, le meilleur baseball, c'est à Radio-Canada avec Claude Raymond et René Potier. Directement de Boston, les hommes de Philippe Alou affrontent les Red Sox ce soir, 19h, heure de l'Est. Nous interrompons cet été pour vous rappeler notre numéro. 1-800-790-2636. La facture, toujours à l'écoute des consommateurs. Et surtout, fais attention pas de salir, là. C'est pas de ma faute. Les enfants et la boue, c'est fait pour aller ensemble. Sunlight, allez-y, salissez-vous. Brouille Martineau est reconnu pour offrir des aubaines incroyables sur ses électroménagers. Meubles, appareils électroniques et la New Beetle. La New Beetle? Oui! Grâce à AutoStalls et Brouille Martineau, vous pourriez gagner cette New Beetle 98. Pour participer, il suffit de remplir un billet. Profitez également de cette offre exceptionnelle. Achetez cette laveuse Gibson à 499 $ et obtenez cette sécheuse Gibson à seulement 169 $. Achetez maintenant et ne payez qu'en juin 99. Oui, vous pourriez gagner cette New Beetle, la voiture qui a un effet du tonnerre. Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle aux batteries. Alors, c'est avec beaucoup de fierté, monsieur le maire, qu'à l'occasion du jumelage de votre ville avec la nôtre, nous vous offrons ce témoignage de notre amitié, une magnifique Thunderbird 60. Voyons, chef, c'est une honte. Vous rendez-vous compte dans quel pétrin vous me mettez? Mais c'est pas ma faute. Mais comment sortir de ça? Je suppose que je vais être obligé de remettre au maire de Ville-Charles le magnifique cadeau qu'il m'a offert. Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec? Où? La goulue dans mon bureau. Monsieur le maire. Un instant.
Regardez. Le petit œil. Vous trouvez ça drôle, vous? Mais oui! Une voiture volée pour lui! Un faux tableau pour vous! Le petit œil! À compter de demain, les personnages de L'Agent fait le bonheur vous donnent rendez-vous à 11h30, Maritime midi 30, du lundi au vendredi.